sportif de patinage artistique de Rouen, troisième club français de cette discipline, organisait ce dimanche le trophée des deux rives. Près de 50 participants venus de Normandie et de Bretagne se sont affrontés dans une des premières compétitions de la saison. Et parmi tous ces jeunes présents à Lille-la-Croix, une patineuse, espoir du club, elle s'appelle Agathe Solo, elle a 11 ans et elle a déjà tout d'une grande. Voyez ce portrait signé François Pesquet et Philippe Derouet. Visage concentré, geste sûr, Agathe n'est pas venue pour flâner sur la glace. Je me suis blessée l'année dernière et là ça revient, donc j'ai un peu peur d'avoir mal pendant le programme, mais je vais donner quand même tout ce que j'ai. La jeune patineuse évolue en division régionale, mais vise dès l'année prochaine les compétitions nationales. Mais c'est bien celui-ci à l'arrivée, il faut bien que ce soit réactive, d'accord ? Je vais avoir une arrivée de saut glissée, d'accord ? En attendant, la voici en piste. Première axel, plutôt réussi, mais gare à la double boucle qui vient ensuite. C'est pas en force, c'est surtout tout ce qui est technique, artistique en fait. Elle glisse bien, ses sauts, elle se débrouille bien, pirouette, elle est un peu bonne partout quoi. Pirouette, combiné, petit pas, axel, boucle piquée, pas mal pour un début de saison. J'ai presque tout réussi, j'ai juste une titille sur un petit saut et ça compte quand même, enfin avec des déductions, mais c'est quand même compté, donc je suis contente. Une patineuse athlétique, voilà, gracieuse, là on peut le voir sur le programme qu'elle a montré aujourd'hui, très belle personnalité, et une combativité qu'elle a pu montrer aussi aujourd'hui, voilà. Les parents d'Agathe n'ont jamais patiné. C'est elle qui, en regardant une compétition à la télévision, a eu le déclic. Elle est aujourd'hui collégienne en sport-études à Rouen. Ça reste du loisir, une passion. On n'en fera pas un métier, je pense, mais c'est très très sympa d'avoir la possibilité de le faire comme ça, par le biais de l'école et du sport en même temps. Quoi, c'est agréable. Effet boule de neige, sa petite sœur Louise s'y est mise aussi. Il paraît même que Juliette, 2 mois, y songe déjà.